Voilà. Donc tout d'abord, évidemment, vous remercier pour le soutien que vous avez témoigné pour cette campagne. L'ambiance a tellement été bonne qu'on envisage, si vous l'acceptez évidemment, d'en faire une par an. C'est pas ça. Avancez tout ça. On allait faire une campagne par an. Une campagne par an. Enfin, donc, vous connaissez les résultats. On ne va pas parler des deux partis qui n'ont pas de représentants, mais si on évoque uniquement le résultat des quatre autres, il y a en fait un parti qui gagne et qui gagne beaucoup, c'est évidemment la liste du bourgmestre, puisque non seulement nous gagnons en voix, mais également en siège, nous passons à 13. Et alors, il y a également le groupe écolo qui gagne en fait un fifrelin, qui gagne, on parle en dixième de pourcent, un demi-pourcent, voilà. Et donc je pense que ça mérite d'être souligné. À côté de ça, bien, ça c'est les règles du jeu électoral, c'est que ben, le Parti Socialiste en fait perd en voix, il perd en pourcentage, mais malgré tout, il gagne un siège. Voilà, ça c'est comme ça, c'est la règle. Et alors, surtout parce qu'on est passé de 27 à 29. Voilà, on est passé de 27 à 29 élus. Mais alors aussi, donc, le CDH, ben là, vous le savez, depuis le début de la soirée, depuis bien longtemps, le CDH, quant à lui, eh bien, a perdu en voix, de manière, enfin, 400 voix à peu près, ou même 550. Ça représente une diminution en pourcentage très importante, mais donc, eux perdent un élu. Ça veut donc dire que, si on se base sur la majorité actuelle, nous avons toujours 15 élus. Donc on passe à 16, mais 16 sur 29. Ce qui rend évidemment la gestion d'une ville comme Nivelles très difficile. Et donc nous sommes toujours en train de discuter, et je ne sais pas vous en dire plus à ce stade. Les tractations se poursuivent, et je pense que pour retrouver une certaine sérénité dans les débats, il est temps que chacun d'entre nous se repose. Voilà, en tout cas, merci encore à tous. Je pense... On peut t'applaudir, quand même, hein, d'abord. Peut-être qu'il y a même quelque chose que je voudrais dire, et je tiens à le souligner ici entre nous, c'est que ce qui est important aussi, c'est que les Nivellois n'ont pas adhéré à des thèses populistes. Et je pense, j'avais un peu peur d'ailleurs qu'on ait les regards des caméras suite à un élu éventuel, ce n'est pas le cas. Et de ça, je voudrais qu'on applaudisse encore.